qu'en amour nous rend grâce et nous porte en triomphe à notre dernière demeure, parce que les hommes en ont décidé ainsi. C'est là l'une des plus belles reconnaissances des hommes à notre endroit pour ce que nous avons accompli dans l'égalité des droits et surtout dans la réhabilitation des bonnes mœurs. Celui qui tient au bon droit ne se préoccupe pas de sa fin, mais plutôt transcende l'avenir pour donner de lui ce qu'il y a et ce qu'il estime de meilleur. Ne cherchons pas que les 10 commandements auprès de l'Église et de la religion, et encore moins auprès de ceux qui prétendent les détenir, jugeant par ce que l'on voit auprès de ceux qui en sont la synthèse, par ce qu'ils nous apportent. Si Dieu est amour, alors les choses sont bien claires. Et fils de Dieu, celui qui sait faire est celui qui fait tant l'unanimité. Pour avoir rapproché les hommes au point d'avoir changé le monde, voilà une preuve par laquelle que l'intelligence n'est pas le propre d'une race, mais plutôt le propre des hommes. Quand l'amour, par sa bonté et par sa générosité, révèle la beauté d'un homme, c'est que Dieu n'est jamais aussi loin et il agit à travers lui jusqu'à ce que son nom et son vrai visage s'imposent à nous en toute simplicité. Oui, le pardon est un don merveilleux qui fait là la renommée de ceux qui ont pris conscience de ce qu'ils sont, de ce que c'est l'amour et de l'importance d'un mieux mais vivre ensemble dans un monde que nous avons en partage. Le rejet de l'autre ne nous avance à pas grand chose, si ce n'est là que de le stigmatiser au point d'en faire un monstre, voire une bombe à retardement dont on s'en plaindrait pour n'avoir su mesurer les conséquences de cette frustration qui, à un moment comme à un autre, finira là par se manifester, voire imploser, et nous exposer aux représailles qui sont là les conséquences de ceux qui n'ont su bien prendre la mesure des choses. Par pur égoïsme, n'ont voulu apaiser la situation, tant à leurs yeux, les intérêts, leurs propres intérêts, sont plus importants que le mieux vivre ensemble d'une société. Avec les gens de la pointure de Nelson Mandela, le monde deviendrait fréquentable, vivable, et nos cœurs si apaisés qu'on serait même tenté de croire à un monde bien meilleur. Et le paradis se verrait sur terre avant même que nous n'allions voir ailleurs, et nous serons là tentés de fumer le calumet de la paix au Dakota du Sud auprès des Sioux, sans blague. Ne pleurons pas toujours, les meilleurs d'entre nous qui partent dignement suivant plutôt leur exemple pour que le monde continue à être à l'image de ce qu'ils ont su
insufflé. Voilà que la mort d'un seul homme a su faire la trêve dans le monde. Par quoi les brebis galeuses se sont tues, réalisant là qu'ils sont du mauvais côté de la barrière. Et sont là notre principal mal-être. Et dans un monde en paix, ils n'ont pas leur place. Ils n'ont pas de droit de cité. Que la trêve ne soit pas qu'un rêve, mais une dynamique qui pousse et incite les hommes à toujours mais donner le meilleur d'eux-mêmes dans ce qui apaise nos cœurs. Que la trêve ne soit pas mais qu'un rêve, mais une dynamique qui pousse et incite les hommes à toujours donner mais ce qu'ils ont de meilleur dans ce qui apaise nos cœurs et dans ce qui apaise le cœur de l'homme. Ne plus se retrancher derrière le mal pour faire valoir ses prétendus droits du jour où l'Afrique du Sud a enterré l'apartheid, le monde s'est vu meilleur. Pour preuve, nous pleurons tous, Madiba, en ce jour. Alors, à quoi bon de faire ces faux semblants, de laisser dire ce qu'il ne faut dire, de laisser croire ce qu'il ne faut croire, de nous faire l'apologie du racisme et de toutes les injustices qui sont là, des véritables souffres-douleurs qui nous empêchent d'aller de l'avant. N'est-ce pas le propre des hommes? L'homme est profondément bon. Ce sont les intérêts qui le captent du droit chemin et le rend plus mauvais que d'habitude avec tous ses attributs. Et si on commençait simplement par le premier commandement, aimez-vous les uns les autres, on finirait sans doute par voir s'enchaîner ce qui suit. À bon entendeur, salut.